mesdames et messieurs, amis fanatiques TV la caille haïti.com. Aujourd'hui c'est vendredi, n'a dou bonjour ou bonsoir. Dépendamment de l'heure, disponible pour assister vidéo ça sur channel pour là nous avec vous pour nous continuer informer. N'a dit un grand merci à tout le monde, toutes amis compatriotes qui étaient connectés sur channel ça, channel information, quel que soit l'heure, il y a toujours présent la caillou pour porter actualité. On a bon petit ami pour vous, nous pas cramper parce que bagaille prend l'autre dimension. Dans moment n'a parlé là qu'on y a même n'a enregistré vidéo ça, et bien gros démarche qu'a fait un bon côté nouveau premier ministre pays a voulait parler de Gary Conil, et bien qui lui même déjà a préparé divers en chablende là pour commissaire Muscadet, et bien lui même capable de faire face à nèg améo. Eh bien, ça joue faut que nous dou commissaire Muscadet qui a frappé là, il y a plusieurs graines qui ont tombé, qui se soient dans vivre ensemble. Bon, depuis nous dit vivre ensemble, nous parlons de toute gang qui est dans le pays, parce qu'ils ont en pile, et qu'on les belles là, qui regroupent toute gang ça, dans l'X et vivre ensemble. Eh bien, commissaire Muscadet là, monsieur frappé, et monsieur mettait dans le ménage, l'autre soldat, vivre ensemble là, côté monsieur habillé en femme, et le débarqué dans le plan, eh bien, commissaire Muscadet prend monsieur et sortant de là. Li voye la jeune baron, eh ben jodi a la n'ap dou commissaire Muscadet qui lui-même mandé nouveau PMPI a déchablendé et l'a rentré Port-au-Prince sans vin craser village de Dieu plat. Mais nous connaissons nèg nan pays a qui déjà gen connexion à gang ça, pas d'accord. Est-ce que Gary Conil pral marcher sous l'autre bourgeois yo? Est-ce que Gary Conil pral marcher sous l'autre nèg ça yo pour quitter nèg yo continuer à craser pays ça? Pour quitter les gars, continuer, mesdames et messieurs, à mettre eh bien, la vie peuple haïtien en danger comme ça, nous pas arrêter quoi ça. Et eh bien, un peu le monde estime que Gary Conil, s'il pas prend bien, les gars craser, même les gars craser Jovenel Moïse. Est-ce que c'est vrai? Nous pouvons connaître. Dans la vidéo, ça nous va inviter au gain tout détail. Gagnez tout, ancien PMPI, nous voulons parler de Jean-Michel Lapin, qui lui-même fourre bouche dans la bataille qui gagne là entre Patrick Boisvert, qui c'est actuel premier ministre, faut nous dire ça, parce que monsieur pourquoi démissionner, parce que monsieur là, il est campé en quoi, en face de Gary Conil, eh ben, n'a pas dit où, et en CPM, non, qui fout le bouche, et qui a demandé pour nous mettre de l'eau dans le divin, parce que le pays arrive dans un moment là, donc il a besoin d'avancer, nous n'avons pas arrêté là, à goumer pour pouvoir, à redire point de code, alors que, eh ben, le pays a lui-même attendu un autre, et donc, et avancé dans mes et Gary Conil. Eh bien, Patrick Boisvert là, nous connaît après Ariel Ari, Aléa, c'est monsieur qui lui-même te kembe pouvoir là. Eh bien, monsieur Gen les senti pouvoir tout douce dans mes li, pendant le pas régler un, et eh bien, le pas vle remettre Gary Conil. Et donc, et volant pour continuer route là avec Haïti. Dans la vidéo, on va inviter autant de tout détail, mesdames et messieurs. Ou sous TV la kaye, bonne écoute tout le monde, n'a pas tourné. D'ailleurs, c'est pour avoir toute baganette. Ok? Sauf que si monsieur Villageau, si monsieur Gravignon, et si vous avez demandé, vous avez demandé. Je ne pas moi-même, je au moins deux chacun pour me débarquer en bas, on a le marché pour un bas, avec qui a conçu des bons chats, et pas vieux chats, et il a gagné un petit monsieur Utagla, il a eu une machine à niveau 2 ou bien à niveau 4, et puis il a eu un petit monsieur qui est mort là. Non. Jouons l'état qui est fort. Il a débarqué Matisson, il a débarqué le village, il a fait échec avec nous. Même pas de rien, pas de négociation, pas de négociation, pas de négociation. Ok, sauf que si monsieur Villa, si monsieur Grand Avignon, nous avons souhaité jouer une frappe cap en bas pour me camper la map et des CPO. Si le commissaire Apollo va gagner après vous, et comme il paquet Tigov va gagner après vous, faites confiance moi-même, je vais vous réveiller dans ce pays. Et quel que soit le négo, c'est évadé de prison, c'est assassin, c'est criminel. Ou t'es au cas où il m'a dit, bien commissaire Adrien Xama qui travaille deux conseils avec moi, bien commissaire Azor qui travaille deux conseils avec moi, bien commissaire. Et Frino qui travaille deux conseils avec moi. Donc, le commissaire a un examen avec toute l'équipe qui est en bas, le commissaire Ken, le commissaire Rousseau. Donc, c'est une équipe qui a battu contre le donc, je ne sais pas il y a 5 paquets avec moi. Commissaire, je vais vous donner un nouveau gouvernement là, très bientôt, qui a supposé prendre un pays. Il y a une fois, et je vais faire appel à vous pour aller dans la région métropolitaine de l'IAS. Est-ce que vous faites quoi? Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de poste à Bordeaux. Je n'ai pas besoin de poste ministre. Je n'ai pas besoin de poste directeur de la police. Ok, je suis un commissaire gouvernement, je m'appelle pour travailler à quelque chose gouvernement qui est là. Donc, ce qui m'a toujours appelé là, comme commissaire gouvernement, pour intercepter Negio, pour empêcher Negio de descendre dans le sud, pour continuer à faire échec avec Negio. Sauf que ça me demande assez, c'est peut-être monsieur Villageau. Je suis de chaque là, je suis un peu là. Si monsieur Villageau, si monsieur Gravigno, si monsieur qui est dans la base vite l'homme, ça, c'est vraiment des pouvoirs. Au moins, si prenez Negio, vous voyez au milieu à boîte. Chaque Negio arrêté, vous intercepté pour envoyer le bon moins. Et ça, c'est mes besoins.
n'est que bandit, tout n'est que assassin. Donc, monsieur, tu sais, une parmi, et ça me dit que Babrilé, et vivre ensemble. Ok? Donc, son coup de fil, il est capable de SDPJ, Okaï, et Idmo, Sud, et directeur départemental Niplan, directeur départemental de la police Okaï là, et mettre tout délégation, donc son coup de fil. Donc, l'aide de débat avec Okaï, des jeunes périmètres à dégâts de sécurité, donc nous finissons par faire échec avec monsieur. Nous connaissons pas la juridiction, il y a un problème ça qui se voit répéter, et on ne peut pas être créatif pour le commissaire Richemont, et individuellement. Là, bon, je ne suis pas gagné comme ça. Deuxièmement, tout, je ne pense pas que j'ai intégré dans ça. Ok? Au contraire, je suis venu me passer la carte, je suis déshabillé, je suis famille, je suis fini mal. Donc, je suis quitté la police et je suis posté dehors. En espérant que je suis bon, n'importe quoi, peut-être que je fais obstacle avec. Et je suis attaqué. Qual a importância da comunicação? Qual a importância de informar, transmitir, relatar? Commissaire Muscadet, c'est attaquer le commissaire Apollon Léogane, c'est attaquer le commissaire Jean-François, c'est attaquer le commissaire Guy, c'est attaquer le directeur de la police Sud-là, c'est attaquer le directeur de la police Néblan, c'est attaquer la population Nipoisa. Et là, même pas besoin d'un MNG, non, même. Les diaspora vont toutes baganettes. Bonjour, monsieur. Quoi? Donc, moi, j'entendais à parler des 30% contre la femme, mais moi-même, dans l'expérience, moi, avec mes dames, dans la fonction publique, là, moi, je crois que. Il y a assez de ressources pour gagner un gouvernement avec 100% de femmes. Avec 100% de femmes. Donc, pour nous entrer dans le débat, attendez, on parle d'une bataille. Bon, et bien non seulement, de faire objet de débats sur toutes les réseaux sociaux et dans notre radio. De une bataille qui gagne entre le ministre Kony et pour le ministre Patrick Boisvert. Mais les maps gardées bah, là, mais ouais, effectivement, et problème non sort dans la rue, hein, même les autres dans la rue, en pile manifestation qui dégagne contre le gouvernement et Ariel Henry, et puis d'où les vignes institutionnalisées, l'entrée dans le CPA qu'on y a vu dans le primature. Donc, c'est tâtonnement politique yeah, qui est capable aujourd'hui. Hein, a fait mon dit gain problème donc ba la vie nous gain froide pas doué gain problème entre primature donc premier ministre Kony d'après moi même a tâtonné parce que qui ça empêcher que premier ministre Kony d'abord prend contrôle primature hein à travers un directeur cabinet contrôle primature à travers secrétariat général contrôle primature à travers direction administrative avec de nouveaux mondes ou bien avec monde qui l'a eu, sont question de leadership. Donc, qui ça a empêché tout, hein, pour le ministre Kony, qui fait nommer officiellement et recevoir l'obligation, qu'il n'y a pas prêt le gouvernement de missionnaire là. Moi, j'ai deux références. On a regardé, m'a invité tout le monde à regarder qui en satisfait. Alors, monsieur Lapin, pour yon ancien premier ministre et courrier, en principe, comment ça fait? Une fois qu'on finit sur l'ampliation ou autre en fonction, question d'installation, allié. Non, pas de bain comme ça. Les bourses sont ampliation ou en fonction. Ou en fonction, très bien. On a regardé qui en satisfait. Pas de longtemps de ça, le président Jocelyn Brivère. Qui a eu une chance président de transition, elle a choisi professeur Enek Jean-Charles pour te remplacer premier ministre Capé. Correct. Donc, premier ministre Enek Jean-Charles a pris en fonction, elle a commencé le travail avec le ministre qui était joué là, qui était le ministre et gouvernement et Michel Matéli. Très bien. Donc, quer ofertaços de verdade? Você grava aí. Correto. Não sabe de tudo isso que tinha na época lá para valer? Não. Jodia, não pensei que o primeiro-ministro Gary Kony, legalmente, quem doa mesmo começar a montar o governo lá, à partir de un replacrage gouvernement sacla. Correct. Il a choisi 3, 4, 5 ministres dans la nouvelle équipe pour prévoir, qui paraît déjà,
et que li nomme en attendant qu'il remplace l'autre. Donc pour moi pas de problème qui poser son question de leadership et puis tout gen les bagages qui parler tout soit fait et fusionner ministère. Oui, moi-même moi te font une proposition de sortie de crise mais dans un contexte de monocéphale qu'on a nos bicéphales. Intérêt ou pas, même, c'est vrai. Oui, mais le fusionnement des ministères, monsieur Lapin, comment ça t'a de fait? Est-ce que on monde a décidé de fusionner les ministères? Est-ce que pas grand côté que la loi dit oui, pour le fait? Est-ce que l'état de passer dans le journal moniteur? En principe, comment ça t'a de fait? Non, je prends encore des exemples qui passaient. Moi-même, dans la carrière, comme directeur administratif dans le secteur culturel sous gouvernement et président Aristide, hein? Paul-Antoine Bien-Aimé qui était ministre de l'Éducation nationale, était ministre de la Culture. Ok. Mais ça va t'empêcher, ministère de la Culture, fonctionner, j'en veux fonctionner. Hein? Je dis à M. Leslie Voltaire, qui est conseiller présidentiel, il était ministre de l'Éducation nationale et ministre de la Culture. Ça va t'empêcher, ça le fait. Donc, dynamique ça, lui permet un bagage qui est important en pire aujourd'hui pour le pays, c'est à faire contrôle trésorerie. Donc ça veut dire qui ça? Ministre AIA, il n'est pas obligé de gagner un cabinet à 100% et parti budget ça qui est attribué à fonctionnement. Et bureau ministre. Parce que c'est bureau ministre dans le ministère. Parce que budget, ce n'est pas section, il fait. Il y a bureau ministre, une direction générale, direction administrative et autre direction technique. Mais c'est bureau ministre là qui a plus corps là-dedans. Très bien. Nous fait budget. Très bien. C'est lui-même tout entre le premier et le 10 de chaque mois qui a pile des actions qui fait pour lui. Donc, moi, je pense que ces dynamiques-là sont une bonne dynamique. Ça ne veut pas dire pour autant que le ministère, après, va passer au second rang, mais ça m'a dit un chef cabinet valable qui va jouer le rôle de relais avec la direction générale du ministère. Ça. Parce que la loi claire, elle dit le fonctionnement institutionnel, le fonctionnement des ministères, c'est la responsabilité de la direction générale. Donc, il y a la loi, ouais, ça la loi dit, mais moi pense que dynamique ça, que moi-même moi te recommande déjà, il y a un an de ça, faut gagner un gouvernement d'austérité avec des mondes valables. Jean Rousseau dit là, femme ou garçon, pour qu'il y ait porter solution à un problème qui nous vient aujourd'hui là. Nous pas qu'attendre, peuple là-bas a pas assisté là aujourd'hui, une guerre froide. Hein, avec un ensemble de conseillers qui ont un ensemble de secteurs politiques qui pensent que chaque monde doit avoir un ministère avec équipe qui sous côté et PM dans tout ils ont même à jouer influence puis ont nommé des ministres donc PM Kony doit aujourd'hui faire preuve de leadership responsable et pour le plus vite que possible libre contrôle primatia et contrôle le gouvernement, pas grand rien qu'empêcher de commencer par avoir un ministre là. Très bien. Monsieur Jean-Michel Lapin, ancien Premier ministre, moi-même, Louko Désir, moi-même, nous m'attendons, Manon, Louko Désir, dans la capacité d'analyse, moi, dans la lecture que je fais, moi, je pense que la très difficile collaboration Gaï Kony avec le conseil et présidentiel, surtout après la formation de ce gouvernement. Et moi-même crois que l'avenir conseil là pour moi-même est très menacé, je vais faire la même lecture avec moi. Moi d'accord avec Louko, parce que on prend par exemple situation président conseil là. Ouais. Président conseil là qui a un ensemble de partis politiques d'élus, nous avons compté 5, PHTK, hein, et l'AP, GRE, UNIR et OPL. Mais c'est des partis politiques qui font des alliances conjoncturelles, intérêts ou pas même. Et intérêts ou pas même, justement. Voilà. Et l'on prend, et M. Leblanc lui-même tout, qui lui-même, ouais, bah, l'on l'autre gens tout, hein, intérêts ou pas même. Donc, c'est ensemble de conseillers, on nous garde des
pas aucune façon, et me dit ça dès le début, effectivement, pour solution politique, ça encore une fois, le joindre à situation à problème là, j'en ça t'es habitué fait pour les porter effectivement des solutions à problème qu'il gagne. Donc mais il y a une nécessité pour tout le monde qu'on les épaules pour nous qu'embé meilleur même j'allais à travers son petit monde la rue pour aller à l'école dans le niveau préscolaire ou bien primaire. Très bien. Le dossier des collectivités, monsieur Lapin, est-ce qu'elle doit toucher ou bien pas toucher? Non, mais m'a rappelé tout que vous connaissez des maïs là qui gagne plusieurs mois que si subvention que ministère a te kon ba yo yo pas recevoir souvent. Bon, premier bagage yo ta fait c'est aller prendre engagement et magistrat ça. Puis on connaît est-ce que c'est des magistrats qui 3 mois ou 6 mois avant élection yon ça qu'on fait pour aller démissionner via l'élection. Même j'ai bloqué mon CPE, ok, ou pas un droit candidat, et ministre, ensemble des ministres, qui ont pas un droit candidat, dans l'élection qu'on a fait là, parce que vous devez appliquer même dynamique ça pour la collectivité, il y a des magistrats qui ont fait des travail valables, qu'on s'en tout gain, qui n'ont pas réglé rien, donc à ce moment-là, donc il faut commencer par qu'on ait intention, yo, par rapport à l'élection qu'on n'a pas fait là, pour ne pas aujourd'hui à renforcer des magistrats, et puis tous 6 mois, et avant l'élection, de démissionner pour le capable retourner dans l'élection. Très bien. Je dis à qui conseille ou tabay Gaye Conny comme yon ancien premier ministre à yon nouveau premier ministre? Qui conseille? Bon, conseil m'a bay, faut que le premier ministre Gaye Conny comprenne. Et docteur Gaye Conny était passé 4 mois comme premier ministre en la primature. C'est pas même primature ça qu'il a choisi. Ouais. C'est pas même pays à tout. Et c'est pas même pays à tout. Hein? Ouais. Donc, à ce moment-là, nous continuons à croire que, en sa qualité de grand gestionnaire du projet de coopération, il est capable de développer un leadership de gouvernance qui permet rapidement, au plus tard, le 1er août 2024, pour capable gagner un gouvernement avec un conseil électoral en fonction qui doit attaquer essentiellement tout ça qui a rapport avec organisation élection qui doit commencer ouais par ouais à partir d'octobre 2025. Ça va exactement 14 mois. Dans le temps normal des choses, nous avons besoin de 18 mois au minimum pour nous réaliser.